Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage logiciel KTLP5. Alors, on continue sur les formules. Aujourd'hui, on va essayer de créer ce mécanisme. On va essayer de créer les différentes parties qui constituent ce mécanisme. Alors, commençons par les deux pièces en bas et en haut. Alors, vous allez sur Démarrer, Conception mécanique, Part Design. Alors, je l'appelle pièce inf. C'est-à-dire inférieur. Alors choisissez le plan XY, esquisse. Vous dessinez un rectangle. Alors j'ajoute quelques dimensions. Je mets ici, par exemple le son et également ici. Je fais. Alors je clique sur échappe. Alors je vais essayer de faire la symétrie entre cette ligne et celle-là par rapport à l'axe horizontal. Symétrie, c'est bon, je fais la même chose pour ces deux-là par rapport à l'axe vertical. Je sors de l'esquisse. Voilà. Extrusion. Alors, si je mets 50, c'est bon. Alors, je sélectionne ce face esquisse. J'ajoute un cercle de diamètre. Je mets 100. Là, je mets 120. Je sors de l'esquisse. Je clique sur poche. Alors ici je mets juste 30. C'est bon. Alors j'enregistre la pièce, alors enregistrer sous et j'enregistre ici. Voilà. Alors je vais créer la même pièce avec la même dimension. Donc c'est pas la peine, je vais juste renommer celle-là et l'enregistrer avec un autre nom. Alors je clique ici. Pardon, vous allez sur propriétés et puis produits, et si je mets sup, c'est-à-dire supérieur, voilà, je vais aller sur enregistrer, bien fichier, enregistrer sous, voilà, pièce, et si je le nomme sup, enregistrer, c'est bon, et maintenant je dessine la troisième pièce qui est un ressort. Alors je vais aller sur démarrer, conception mécanique, wireframe, surface design. Alors on n'a pas encore fait la surface, mais on va le voir en détail par la suite. Alors je l'appelle ressort. Alors l'atelier du surface a aussi la même forme, bien la même interface des autres ateliers, juste les outils qui se diffèrent. Alors pour le moment je vais aller sur insertion, élément filaire, et je clique sur hélice. Voilà. Alors ici il nous demande un point de départ, un axe, le pas, la hauteur et un angle de départ. Alors ici soit je fais un clic droit et je crée un point au milieu. C'est-à-dire si on a une courbe, etc. Alors ici, il vaut mieux que je crée le point seul et je reviens pour l'hélice. Alors comme vous voyez ici, il y a le point. Sinon, vous allez sur insertion, vous trouvez aussi le point. Alors je clique ici. Et là, vous devez entrer les coordonnées de ce point-là. Alors pour moi, je vais le mettre ici horizontalement. Donc c'est suivant Y. Alors je change Y. Et si je mets par exemple 60. Mais par la suite, on va savoir la distance exacte. Ok, je reviens vers l'hélice, soit ici, ou bien sur insertion, élément filaire, hélice. Alors là, le point de départ, c'est ce point-là. L'axe, c'est l'axe Z. Je fais toujours un clic droit. Voilà le pas. Alors je mets un pas de 4, bien de 5 mm. Et hauteur. Alors je mets 100, je clique sur aperçu, alors ici je mets 150,
Et maintenant, je reviens sur l'atelier Art Design. Maintenant, je crée un petit cercle ici. Et en faisant la nervure, elle va créer l'hélice ou bien le ressort. Alors, je clique sur nervure. Et ici, sur mon profil, normalement, c'est le cercle que je vais dessiner ici. Dans le centre et ce point-là. Et puis, la courbe guide et ce ressort, bien ce profil-là. Voilà. Alors, je clique ici. Je sélectionne le plan YZ, c'est celui-là. Voilà. Et ça nous mène vers l'esquisse qu'on voit ici. Alors, je sélectionne le cercle. Je clique ici. Bien, je clique ici. Je zoome un peu. Voilà. Je mets la coïncidence entre ces deux points-là, coïncidence. Et le cercle a comme diamètre. Alors, je mets 5 mm comme diamètre. C'est bon. Maintenant, je ferme celle-là. Je sors d'esquisse. Je reviens ici. Alors, la courbe dit c'est cette esquisse aperçue. Alors, je pense que je vais changer le diamètre de ce cercle. Alors, je mets OK ici. Je reviens sur nervure. Voilà. Ici, je mets juste 3. Ok, je sors de l'esquisse. Je fais CTRL U pour la mise à jour. Comme vous voyez maintenant, c'est bon. Alors, j'enregistre le fichier. Enregistrer saut. Voilà, ressort. Et maintenant, il ne reste qu'à faire l'assemblage. Et ceci dans la vidéo prochaine. Alors, à la prochaine.